Bon, on va démarrer la journée par cette piste de montagne. On a 12 km de piste. Alors vous allez voir, c'est vraiment très varié. On a des petits virages très très serrés où on va essayer de bien s'asseoir au centre de la moto de manière à bien descendre le centre de gravité. Et ensuite, dès qu'on peut prendre un petit peu de vitesse, on essaie de bien se mettre debout, regarder bien loin de manière à bien anticiper tous les tracés et surtout faire très attention puisqu'il y a quand même pas mal de petits cailloux. Le fait de se mettre bien debout, de regarder bien loin, ça va nous permettre de mieux choisir la trajectoire et surtout de passer avec un peu plus de facilité. Ensuite, là, on a des motos différentes. Peut-être ça va être l'occasion pour nous de s'échanger les motos. Là, j'ai la 800 GS. Sur la partie du haut, on va arriver sur une partie peut-être un peu plus technique. Il serait peut-être intéressant d'essayer chacun les motos de manière à essayer de ressentir la différence déjà des motos et savoir avec quelle moto on peut se sentir le mieux dans certaines utilisations. Allez, c'est parti! Et moi, je vous suis pour justement essayer de bien regarder un petit peu comment vous vous comportez. Sur la piste là c'est top hein. Ouais c'est super bien. C'est bon. En fait faut tout cabrer les trous hein. Ouais faut les cabrer. Faut tout cabrer les trous hein. Ouais bien. Putain que du bonheur hein. Et les 12 km c'est le bon. Ouais les a pas vu passer ouais. Au couple, ça monte vraiment bien. Hein. On monte partout. Ouais. Des portions comme ça que l'on peut s'exercer à maîtriser la glisse debout ou assis. On a vraiment une piste assez propre et c'est vrai que pour arriver à bien ressentir la moto et son comportement, c'est vraiment des conditions idéales. Dans les cailloux, la moto elle bouge pas trop, ça va? Non, ça va, mais. Pantalon, mais il faut tout cabrer finalement. Ouais, soit il faut cabrer les bosses, ou soit il faut vraiment les enrouler doucement, ouais. Parce que sinon avec le poids. Ouais, tu t'écrases dedans. Voilà, ça s'écrase. Ouais, faut être assez souple sur les jambes.
La piscine, ce sera pour ce soir alors. Ouais, piscine ce soir. Aujourd'hui, c'est chemin, piste et rivière. On va faire une petite descente dans les rivières, on va se baigner, tu vois. La moto est quand même facile hein. Mais ouais. Moi à la limite je préfère à la limite celle-là. Je suis un peu étonné avec le poids et tout ça là, la moto elle traîne pas mal et puis on arrive pas mal à la toucher là-bas, j'ai essayé un peu le. Ouais, ouais, ouais. Intéressant, c'est qu'on a fait plein de pistes différentes aujourd'hui cet après-midi. Et même on est allé au-delà de tout ce qu'on aurait pu penser. Ouais, incroyable. Ouais. Moi je pensais pas dans les cailloux pouvoir monter tout en haut là, même dans les prairies. Avec toutes les petites bosses, ça fait bien. Tous, tous ces sauts en montée en descente qu'on a fait là. C'était... Ouais. Mais en fait, tu la pilotes comme une moto d'enduro avec. En prévoyant un petit peu plus de temps. De la marge. Et de la marge. De la marge. Voilà, c'est tout. Lucienne, Étienne. Ah ouais, c'est Lucienne et Étienne, en fait, aujourd'hui, c'était le couple à suivre. Le rembattant, c'est tout. Donc, après ça, son long périple africain, la GS, elle est toujours là. Donc, et voilà. La route continue. Incroyable. Ah ouais, c'est là, ouais. Unstoppable. L'aventure continue. Allez, c'est parti. Comment prendre de l'angle avec un 1200 GS, hein, se poser sur le cylindre, gauche de préférence, si on aime tourner à gauche ou à droite, la jambe bien tendue, le pied sur le frein, hein, et on appuie très fort avec la jambe extérieure sur le repose-pied pour le maintien de la moto et gaz. Ça donne ça.